Salut tout le monde! Aujourd'hui on se trouve au chapitre numéro 160 et 161 de Blue Lock. On les a pas encore lus et on va les découvrir avec vous, les viewers et les abonnés. C'est parti! Un nouveau Bashira s'éveille et montre ce qu'il a appris de son maître. Chapitre 160 intitulé Ginga X Monster. Allez Bashira! T'es devenu titulaire en seulement 10 jours. Montre-moi ce que tu sais faire. C'est le moment. Espagne, FC Barça, attaquons, pointe. Bashira Meguru, d'accélérer le rythme. Sur quel style de foot allons-nous danser? 10 jours avant, secteur Espagne. Incroyable! C'est vraiment les membres U20 du FC Barça. Et c'est l'Avignon, chair et en os. Hey, c'est quoi? Des écouteurs? Yo, yo, yo. Allons-y tranquille, Blue Lock, boy. Ah, c'est ouf! C'est ton japonais! Combien ils ont dépensé pour tout ça? Sérieux, l'Avignon, tu vas nous apprendre à jouer au foot? Ha ha ha. Ouais. Je sais que je suis votre maître, mais je vous dirai que le dalle sur le foot. Hein? Quoi? Mais fou, ha 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 ha. On est bien dans la structure qui va créer le meilleur attaquant, hein? Sauf que le meilleur, c'est moi. Aucune chance que je vous donne le moindre indice, abruti. Il se fout de nous. C'est quoi ce type? Mais actuellement, le meilleur, c'est pas Noël Noir. Hein? Tu cherches la bagarre, le poussin? Ben, c'est ce qu'ils ont dit à la télé. Et Bashira, écoute-moi, petit. Peu importe ce que les gens disent, c'est moi le meilleur. J'entretiens ce meilleur au fond de moi. Oh, il n'appartient à personne d'autre. C'est une représentation personnelle. Si vous voulez devenir le meilleur, faut surtout pas écouter ce que disent les autres. Ouais. Au Brésil, mon pays natal, on a un mot, la ginga. Ça veut dire se balancer ou encore osciller. C'est un mot de la capoeira, une fusion d'art martial et de danse. Ginga. Le haut du corps est souple, presque sans force, et les touches sont précises, comme si le ballon était attiré au pied. Ces mouvements des stars que j'ai admirés prennent racine dans la ginga. Au départ, vous pouvez simplement imiter les meilleurs. J'ai fait pareil, à partir de là, vous y ajouterez l'image de votre meilleur du foot. C'est le début de votre originalité. Perso, je m'imagine un papillon, le terrain est une scène, et je fais simplement danser cette image sur le terrain. Les spectateurs s'extasent devant ma danse et vident le portefeuille. C'est comme ça que je suis devenu une star. Facile, non? Le foot, c'est de l'impro et des répètes. C'est une négociation constante pour trouver le rythme qui vous plaît. Aïe! Wouch! Wouah! Bashira! Boum! Ah, c'est ça, poussin! Ce n'est pas à moi d'imaginer ton meilleur du monde. Le seul qui puisse l'imaginer et l'exprimer, c'est toi seul et personne d'autre. C'est le privilège de votre originalité, retenez bien ça. Votre nouvel entraînement permettra de développer cette capacité. C'est donc comme ça que je bouge, c'est pas du tout comme j'imaginais. Je vais essayer d'incorporer les mouvements de l'Avignon et les mélanger avec mon image du meilleur du monde. J'ai besoin de muscles, entraînement aux machines à poids, entraînement à la méditation et d'imagination pour réussir. Et l'Avignon, j'ai déjà une image au fond de moi, je l'appelle le monstre. Oh, t'as déjà de bonnes racines, c'est donc lui ton originalité. Ouais, mais je suis devenu plus fort et je l'ai surpassé. Donc pour devenir encore plus fort, qu'est-ce que je pourrais m'imaginer? Ce monstre dont tu parles, il a disparu? Non, il suffit que je l'imagine pour qu'il apparaisse. Alors c'est simple, poussin. T'as juste à faire évoluer ce monstre au prochain stade. Il te montrera ta nouvelle originalité qui te permettra de devenir le meilleur du monde. Attends, les dribbles de Bashira. Petit pont. Wow! Il a passé un allemand 1v1, trop fort! Bashira utilise ses dribbles, mais j'ai l'impression que la forme de ses dribbles a changé. On dirait qu'il ne met plus de force inutilement. Non, il reste plus droit qu'avant. Il fait rouler le ballon comme s'il était collé à ses pieds, un peu comme Messi. Et fait des petites touches en changeant son petit pied d'appui. Comme il garde la possession du ballon sans baisser le haut de son corps, sa prochaine action devient beaucoup plus difficile à anticiper. Qu'est-ce que c'est ces dribbles? Allemagne, Bastar München, latéral, Théo, sac. Il a une infinité de possibilités pour sa prochaine action. Mais il ne fait pas le premier pas. Passe mon jambe, il fait bouger ses pieds partout. C'est la fusion entre le Ginga de Glavigno et mes tricks du monstre. J'attire mon adversaire sur mon terrain. Il bouge pas encore, toujours pas. Ce gars et le force à faire le premier pas. Une fois que j'ai vu ce qu'il va faire, ah merde, dans ce cas, je le dribble. Le nouveau style de dribble de Bashira Meguru.
Ginga, X-Monster, danse, poussin. Terrible, Bashira, tu m'épateras toujours. Son originalité s'éveille à la rencontre d'un nouveau style. La danse de Bashira s'intensifie face à son ami, versus Kunigami Rensuke. C'est parti, la suite du prochain chapitre. Bichoute, cher héros Joker. Bashi est égal à Abeille. La fusion de la Ginga et du monstre a mené Bashira à l'étape supérieure. Celui qui l'attend face à lui n'est que autre que le héros repêché. Je sais pas ce que j'ai à traverser pour revenir, mais je suis content de te revoir, Kunigami, Bashira Meguru. Chapitre 61, intitulé Bichoute. Kunigami, Rensuke, Bashira, si tu cherches un cavalier, laisse-moi te guider. Match up. Je vais l'attirer. Il me suit. Quel réflexe incroyable dans ce cas. Double touche étendue. Tiens, bouffe ça et essaye encore de me suivre. Double touche à vitesse variable. Chut, les muscles seuls ne suffiront pas, cher cavalier. On s'en fout de tout ça. On va t'écraser sous merde. Waouh, bien joué les défenseurs. Ils se sont servis de Kunigami comme appât pour me prendre en tenaille. Aya, il fait un sombrero maintenant. Bien joué, Dancing Bee. Ignacio, Lara. Nimpo of the ball, Ottawa Ita. Tiki-taka no jutsu. Ottawa, il enchaîne derrière. Alors que le rythme de Bashira était imprévisible. Bien joué. Réaction chimique. Bichoute en mode freestyle. Goal. Il a fait un ciseau là, je rêve. Waouh. Boum, quelle liberté. Leur style est si intéressant. C'est donc ça l'Espagne. C'est donc ça le style du FC Barça. Vamos. T'as marqué, Bashira. FC Barça mène 1-0 contre le Bastard Mansion. Sérieux, Bashira est devenu le centre de l'équipe. Les dribbles de Bashira sont clairement devenus meilleurs. Avant, il faisait simplement ce qu'il voulait faire. Chill de Bashira. Et attaquer sans cesse comme un enfant. Et maintenant, il sait attendre l'adversaire comme s'il avait appris à faire des choix plus matures. Adulte Bashira. Les possibilités de ses des dribbles ont explosé. L'environnement de liberté qu'a offert le FC Barça a permis de donner vie à l'originalité de Bashira. Je peux encore marquer. Maintenant que je connais la Ginga, je serai encore plus fort. Je vois, c'est sûrement de ça dont parlait Ego. Les effets de notre environnement. Que votre choix soit le bon ou non, votre vie entière sera absolument bouleversée. Dans ce cas, le Bastard Mansion que j'ai choisi, qu'est-ce que je pourrais y apprendre? Le style de cette équipe et la rationalité. De ce que j'ai compris au vu du jeu de tout à l'heure. Il s'efforce à effacer tout mouvement inutile pour trouver le chemin le plus rapide vers les cages. Pour laisser leur Ask et Ether marquer tous les buts. Si j'étais actuellement sur le terrain, comment est-ce que je me positionnerais? Est-ce que je suis leur règle tacite et base mon jeu autour de Kaiser? Non, ils ont chacun des forces que je n'ai pas. Mais bon, si je choisis d'ignorer leurs règles et de jouer uniquement pour mes propres buts, je finirai isolé comme Kunigami. Merde, qu'est-ce que je peux faire? Kunigami, s'il continue comme ça, il va se faire remplacer. Il a joué totalement solo, effectivement. Si on pense au principe de rationalité, il ne fait que perturber l'équipe. Le maître a aussi les pouvoirs d'un coach, hein? On devrait se tenir prêt à rentrer n'importe quand. Je n'arrive toujours pas à m'imaginer être utile sur le terrain. Même si on me fait rentrer, mais maintenant, je servirai à rien. Merde, honnêtement, je ne pensais pas être aussi inutile. Jusqu'à maintenant, on exprimait chacun notre ego à Blue Lock. On était en confrontation avec nos individualités. Mais cette fois, je ne suis pas seulement face à Kaiser, mais face à l'équipe du Bastard Mansion, dans laquelle je dois réussir à faire mes preuves. On s'est pris un but, ça pue, des sous-merdes. Mourez, bande de nazes. Ce qu'il faut pour devenir titulaire pro, rien que d'y arriver par les nombres semble assez compliqué. Mais réussir à faire ses preuves sur le terrain, c'est d'un tout autre niveau. Pourtant, c'est ce qu'il tente de faire, tout seul en tant qu'attaquant en plus, il essaye de leur montrer sa valeur. Le jeu de Kunigami me donnera les indices qui me permettront d'être titulaire. Je dois rester attentif et chercher les pièces qui me permettront de battre Kaiser. Restart. Alors, fais tourner tes méninges pour trouver ta place dans le système Kaiser. Kaiser montrera enfin la raison pour laquelle il est de rang mondial. Que fait-on maintenant, Kaiser? La suite au prochain chapitre. Kaiser Impact, une mise à mort. Fin du chapitre. Vous aurez aimé ce chapitre-là. On va se laisser là-dessus. Et on se retrouve pour de nouveaux épisodes. Bye.